Le mal est présent, il faut donc le combattre. Le réseau ivoirien des organisations de personnes vivant avec le VIH et SIDA, RIP+, a organisé une conférence de presse. Objectif, lutter contre la discrimination dans le monde, surtout pour les personnes victimes d'injustices vivant avec le VIH et SIDA. La route est longue, mais pas question pour le RIP+, de baisser les bras. Cette conférence, c'est pour faire le point, en tout cas de tout ce que nous menons comme activité en matière de lutte contre la stigmatisation et la discrimination. Les premières images montraient que les personnes vivant avec le VIH étaient des personnes amaigries. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et les choses sont très avancées, les traitements marchent et nous souhaitons que toutes les personnes qui vivent avec cette infection aient accès au traitement, parce que les traitements marchent et les résultats sont tangibles. 14% de la population ivoirienne est victime de discrimination selon les statistiques du RIP+. Le taux est avancé, mais éliminer le fléau serait encore mieux. Je pense que si les personnes sont acceptées, sont intégrées, bien intégrées dans la société, ça les aide déjà à avoir une meilleure idée d'elles-mêmes. Et puis ça les aide à dépasser en fait les idées que quelqu'un peut avoir d'elles. Ça ne va pas les concerner. Créé en 1997, le réseau ivoirien des organisations de personnes vivant avec le VIH et SIDA a plusieurs missions, dont la lutte contre la discrimination et la stigmatisation au sein de la société.